Ils ont des bons joueurs en face. Leur top laner, c'est un putain de monstre. Leur jungler est pas mauvais. Le mid, je sais pas qui c'est. Le support est bon. Et ils ont un autofill ADC. Nous, on a l'air d'avoir tous nos mains. On va voir. Faut que je mange après, j'ai pas bouffé encore. Je me ferai des pâtes. Des pâtes. Je pense que si je gagne celle-là... Ah, faut encore que j'en fasse plusieurs. Je vais prendre un gâteau, je pense. J'arrive. Faut qu'on tempo encore quelques games. Après, j'irai manger. Sinon, je vais pas stream hyper longtemps aujourd'hui, vu qu'il y a Koro bizarre. Et j'aimerais bien regarder un peu le stream de Koro. Je pense que je fermerai du coup à 18h quand il va lancer le sien. Pas que je le connais spécialement ou quoi, mais... Je sais pas, j'aime bien son live. On va start Z. Non, Koro me connaît pas. Il me connaît pas, je pense, mais... Moi, je connais et je regarde son stream, c'est tout. J'ai pas besoin de le connaître pour regarder son stream. Si. Je sais pas, j'aime bien. Ça me fait rire. Avant, je regardais pas mal. Avant d'être un streamer random. Là, je vais ignite. Essayer de passer level 2 en même temps. Il a perdu l'XP du range là. On a 18, elle est à 14. On en a raté 1 sur la première wave. TP au bot. Pas l'air très worse tout ça. Je vais back maintenant. Un timing correct. Ouais.
1 pour 2. 1 0 1 ADC. Ok. On perd pas grand chose sur ce bac là. Je pense rien du tout. En termes d'XP. Elle a eu un peu de mal à push. Peut-être celui-là. Non, c'est bon. J'ai l'XP. Plus important. Même si on n'a pas le last hit. Le last hit, c'est pas forcément le plus important sur le truc. Surtout le XP DCS que tu gardes. Un TP de Zoé. On va devoir push. Faut pas faire grand-chose s'il grid comme ça sous la tour alors que le mec en face peut jouer TP. Hein. On va mettre la wave sous la tour. Je vais en profiter pour aller setup de la vision. Je sais pas pourquoi il s'est suicidé là-bas le chien. Il va se faire one shot lui. Hein. Un invocateur a quitté la partie. Vous avez tué un ennemi. On a encore un AFK ? Baisse ta mère avec ma ping, genre laisse-la. C'est un malade lui avec sa vachette, hein. J'ai deux levels d'avance. Bon, c'est pas une wave avec un canon du coup. Elle est trop. En vrai, elle est pas très 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 forte la Zoé. Ça a l'air d'aller. Elle a une stopwatch ou pas? Non. On peut la solo kill. Je sais pas si elle a son flash. Ouais, si elle a flash là. Voilà les. Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Ouais, je voulais prendre la tour avec le red buff.
L'équerre que j'ai mise, c'est... Mon Q-spell, je voulais qu'il touche la Zoé. Pourquoi qu'elle l'approche sur moi et qu'elle me mette son E au cas où. Je savais que je tuais le Paris juste ouvert. Fait chier. Je savais que Alistar arrivait. J'aurais dû faire plus attention au Moby, j'aurais pu le cancel avant. Et prendre la tour. Enfin, prendre la tour, non, mais peut-être m'en sortir. Il aurait pas été en range de me conscrire. Là, je perds beaucoup de CS au mid. Et à récupérer 2 kills parce que le Blitz, c'est un singe. Pardon. Oh, elle est morte. Elle a son flash. Elle a son flash après, je crois. Il y a la plante ou pas? Ce serait sick. Non. Elle a TP. Je savais qu'il fallait que je décale parce qu'elle avait sa TP. Normalement, on a la tour bot. C'est dingue, j'ai pas réussi à choper le Gnar avec mon R. C'est le Gnar que je visais avec mon R. La Zoé, de toute façon, elle était morte à 100% quand elle s'est faite hook, qu'elle avait plus de flash. Je crois. Peut-être prendre la tour mid là. Je vais reset, c'est un canon? Non. Ouais, faut que je reset là. Je suis obligé. Botte de peiné. On va faire Banshee en plus. Il y a double AP, ulti de Varus. Même si j'ai la cleanse, hein. En plus de tout le reste, le fait de pas pouvoir me faire ulti par Varus ou par Sejuani ou quoi que ce soit. Bloquer un sort contre Alistar et tout, c'est hyper intéressant. Donc ça devrait aller. Normalement, la Tristana est plus big que le Varus, parce que le crit a un meilleur mid-game que le on-hit effect. Enfin, ça dépend des situations, ça dépend quand il a sa rage blade chargée et tout, mais normalement, on est bien. 10 secondes, la cleanse. Je fasse attention. Faut pas que je meure sur un dive au mid par Sejuani ou quoi. Elle est là-bas, mais... Elle a son flash. Nice. LOL. Une Tristana volante. Endormie. L'interaction, elle était bizarre. Oh, ça va. Oh, putain. En fait, je connais un peu Zoé, vu que je la joue pas mal, et je sais un peu ce qu'elle veut faire, du coup, c'est pas trop compliqué d'éviter ses Q-spells et tout. Je sais un peu les opportunités qu'elle a, ses CD. C'est l'avantage de jouer beaucoup de... Enfin, c'est l'avantage de jouer les persos, quoi. Même si vous aimez pas Zoé, faire 3-4 games avec le champion, histoire de savoir. Genre, si vous avez du mal contre un champion, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre, en fait. Genre, apprenez le champion, comme ça, vous allez apprendre ce que le mec peut faire. Parce que vous pouvez faire avec, et du coup quand vous vous retrouverez contre le champion, vous savez quoi, comment gérer la chose, quoi.
Faut se forcer un peu, quoi. Plus de cleans. On va avoir de la lane là pour Zoé. J'aurais pu la tuer là si j'avais avancé un peu. J'ai pas d'infos sur ces Juani. Ah, plus de flash. Ah, si j'avais eu ma cleanse, ça aurait été tellement sick. Je sais pas où ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'elle fait là, Zoé? Oh, le level de la Zoé, elle est dégueulasse. T'as fait chier, j'avais pas trop mal réagi sur le flash de Alistar. Pff, ma clean, ça a pas grand chose. Après, ça m'aurait fait chier de claquer une clean sur une Ignite. Hein. Ça m'aurait fait chier de claquer une clean sur une Ignite. Mais bon. Ouais, ça se loupe, je fais chier. Sorry. Je voulais l'aider et j'ai pris le gros. Il n'y a pas d'RM, hein, lui. Je le one shot, je suis niveau 11. Ok, bro. Bon, on va faire Liandry. Avec la Banshee, je suis vraiment big. Oh, elle est morte. S'il n'y a pas de flash, elle est morte, là. Je connais pas trop le CD du... Voilà, elle est pas morte, du coup. No flash. Domination.
pas encore ma clean cette façon. Votre équipe a détruit une tourelle. Votre tourelle a été détruite. Mon Z est pas parti, je l'aurais tué, fais chier. Un ennemi a été tué. On a besoin de quoi pour le Nash, gros? Putain! T'es ADC, tape le Nashor, fils de pute! Et vous allez vous faire 2v1! Ah bah non. Putain. Votre tourelle a été détruite. T'es la 80 CS, ouais. Y'a de la merde, ça. Eu. Oh, je peux le tuer. Il aurait pu vous classer, genre, on aurait fait le Nash. J'étais obligé de flash, je pense. Je prenais trop de dégâts avec le méga gnar et tout. Nice positionnement, Tristana. Ils ont plus de dégâts que nous avec le gnar là. Je me fais tellement cyberbully. Nash. Elle back ou elle... Qu'est-ce que c'est ridicule, la Warmog. La Warmog, c'est vraiment un item ridicule, hein. Ah, la Zoé, elle a un level exécrable, c'est horrible. Le truc, c'est que le Nashor tout à l'heure avec deux montagnes, on l'aurait fait hein, si Tristan n'avait pas trop la game. J'ai mon R. Faut juste que je trouve une équerre sur Varus et on cancel. Only for you.
a un Mountain, hein. J'avais tellement hein, un bon positionnement dans cette fight. Oh, GG roleplay. Là, je fais une bonne game dans l'ensemble. J'ai pas fait trop d'erreurs en termes de positionnement, en termes de prise de ressources, etc. Plutôt correct. Quand même 3 morts. Un peu trop, mais. Ça va, on fait une game propre. Ça peut toujours être mieux de toute façon. Sinon, je serais top 1. Et même en étant top 1, tu peux toujours progresser. Mais ça va, c'est solide. Contre une Zoé. Après, je connais bien le match-up contre Zoé. Je veux honorer le Blitz, je pense. J'ai dit, parce que... Ils ont tous bien joué en fait. Et le Blitz, ça fait des bons hooks. T'es solide. Plus 21, ça fait plaisir ça.